Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va pas démarrer dans l'atelier. On est dans ma cuisine et je vais vous montrer comment j'ai fait ce plan de travail avec du hêtre de récupération. Voilà. On se retrouve tout de suite dans l'atelier. Alors, on se retrouve dans mon petit atelier et je vais vous montrer hein, en vidéo, en image, comment j'ai pu faire mon plan de travail de cuisine. Et ça me voilà, c'est un projet qui me tortille depuis pas mal d'années parce que j'avais un petit bar et il n'y avait pas la place pour mettre les copains et les amis, hein, quand tout le monde venait manger, boire l'apéro, enfin bref. Donc ce plan de travail a été fait avec que du bois de récup. En l'occurrence, c'est du hêtre. Ça n'a jamais été facile. En plus, c'est un gros projet que je n'ai jamais fait. Hein, donc il y a des petites techniques, des trucs et astuces que j'ai appris, qui me restent à apprendre parce que le plan de travail n'est pas parfait. Moi, je suis jamais satisfait de ce que je fais, mais voilà, il y a des petits défauts. Je vous montrerai plus en détail à la fin. Je vous mettrai quelques petites photos. Et donc, je vais vous montrer le bois. Hein. Alors, hop, on tourne tout ce bordel. Hop, voilà. C'est bien la technologie. Voilà, je ne sais pas si on va voir. On va le laisser là. Donc voilà. Donc c'est. On voit pas ma gueule. Hop. Parce que je suis beau. Alors, il faut qu'on me voie. Moi, je rigole, c'est bon. Voilà. Donc c'est du hêtre. Hein, voilà, je peux vous montrer. Moi, je le reçois comme ça. On me le donne. Hein, de toute façon. Voilà. Donc on le travaille. Je vais le travailler, je vais le raboter, j'ai enlevé les clous, j'ai enlevé les agrafes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il est pas trop humide, je sais pas où il est mon merdier. Hop, on va regarder. Il n'est pas trop humide, il n'est pas humide du tout. Hein, on va regarder ça. Hop, je ne sais pas si j'arrive à regarder. Hop, ouais, la vache de vache. Hop. On va essayer de voir ça. On démarre les bignots. Pas si vous arrivez à voir. Tiens, je suis à l'envers, non? Ah ouais. C'est bizarre. Donc voilà. 8-8. Peu, pas trop mal. Sachant que. Il fait pas très froid, il fait pas humide, hein, tu vois celui-là, hop, à des moments il passe à 11. Enfin bon, j'ai pu tester et je suis entre 10 et 15%. Ce qui est bien. Voilà. Après, je ne suis pas un expert en humidité de bois, hein, mais voilà. Donc voilà pour l'entrée en matière. Alors, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour la fin. Thank you.
On se retrouve dans la cuisine pour la séquence finale. Donc, j'ai pas tout filmé parce que mais j'ai pas encore le réflexe d'avoir toujours le téléphone ou l'appareil photo sous la main. Donc tout ce qui est collage, j'ai pas filmé. Quand j'ai démonté le bar, c'était du béton cellulaire ou du carreau de plâtre, je sais plus. Mais j'ai pas filmé quand j'ai nettoyé le sol, j'ai pas filmé quand j'ai monté le nouveau meuble, mettre du carrelage sur un plan de travail, voilà, j'ai pas filmé non plus. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Allez voir mon blog. Je vais mettre sûrement incessamment sous peu un article là-dessus. Prochaine vidéo, je pense que ce sera sur la fabrication des chaises de bar. Là, c'est pareil. Je vais essayer de faire un truc un peu plus complet, un peu plus pro. On va essayer. Hein. C'est le but hein, d'apprendre. Donc encore, je vous remercie infiniment de me suivre et à la prochaine vidéo. Allez, ciao les copos.